Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, encore une vidéo pour notre pull basique. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on tricote la manche, comment on relève les mailles, comment on calcule les diminutions, combien, voilà, combien de rangs il faut faire, machin, etc., etc. En ce qui concerne les manches, vous savez, quand vous tricotez le pull en réglant, là, j'ai déjà fait une manche et pour justement pour faire tous les calculs pour la deuxième. Quand vous tricotez en réglant, vous n'avez pas beaucoup de possibilités en fait de modèle de manche. Soit vous le tricotez, vous savez, droite jusqu'au bout et après vous faites vos diminutions, vous savez, pour la manchette. Ou sinon, vous faites les diminutions comme j'ai fait en fait fur et à mesure. Vu que moi, j'ai la laine qui est très épaisse. C'est plus judicieux, je trouve, parce que sinon la manche, ça va pas être joli. Et en plus, comme je vous ai dit, je vais faire quelques diminutions tout au début de la manche, justement pour ne pas avoir ici une plie qui n'est pas jolie du tout. Après, quand vous tricotez par exemple de bas vers le haut et vous avez la manchure, comment dire, qui est droit ici, vous savez, au niveau des poils. Là, vous avez peut-être un tout petit peu plus de possibilités parce que vous pouvez faire la manche qui descend un peu. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette modèle-là. Après, vous pouvez faire aussi, vous savez, la manche lanterne. Enfin, il y en a un peu plus de possibilités. Mais quand vous tricotez réglant, en fait, voilà, c'est soit la manche longue, la manche courte. Et après, voilà, soit la manche, elle est droite, soit la manche, elle est avec diminution. Moi, c'est comme je vous dis, moi, j'ai fait avec diminution. Et je vous explique comment j'ai calculé tout ça. J'ai fait tout d'abord mes petits calculs. Je vous explique tout au début et après, on va faire tout ensemble. Alors, moi, et j'ai 40 mailles sur la manche. C'est-à-dire que là, ce qu'on avait, quand on a séparé le corps et les manches, ce qu'on avait mis de côté, j'ai 40 mailles ici. Après, j'ai 7 mailles, j'ai monté 7 mailles sous le bras. Je les ai marquées aussi. Plus 2 mailles, vous voyez, parce que moi, je prends toujours 2 mailles ici sur les côtés. Là, peut-être vous les voyez, là, vous voyez. Pour ne pas avoir des trous, parce que je trouve que c'est pas joli du tout. Et c'est-à-dire qu'en tout, j'ai 49 mailles. Et en ce qui concerne là, ici, le poignet, j'ai 26 mailles, j'ai calculé. Comment on le calcule? Grosso modo, vous pouvez prendre votre jauge. Si par exemple, vous savez que vous avez les 2 mailles dans les 10 cm, vous regardez le tour de votre poignet, par exemple 20 cm, et vous savez qu'il vous faut arriver à 40 mailles. Sauf que moi, j'ai une astuce plus simple. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà, si vous avez l'encolure en côte comme ça, vous prenez simplement votre bras, vous passez comme ça. Moi, je regardais comme ça, en fait, pour que ça ne me serve pas trop, vous savez. Hop, je sors ma main et je compte le nombre de mailles qu'il y a. En fait, c'est tout. Moi, c'est 26 mailles. Ça correspond à ça. Après, bien sûr, si vous avez fait votre montage vous savez, sur le fil supplémentaire et tout ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est pour ça, en fait, je vous dis, c'est très, très utile, c'est vraiment plus facile de faire tout de suite l'encolure parce que après voilà, c'est même plus facile de calculer vos poignets. Alors, comment arriver de 49 à 26 mailles? Si vous tricotez droit, c'est comme je vous dis, vous tricotez votre manche droite sur la longueur qu'il vous faut, et après, par exemple, dans les deux derniers rangs, vous faites les diminutions qu'il faut. Parce que si vous le faites, enfin, certes, vous pouvez le faire dans le dernier rang, mais par exemple, vu que moi, j'ai la laine qui est assez épaisse, ça va pas être joli. Mais c'est pour ça que j'ai fait même les diminutions au fur et à mesure. Mais bon, comment savoir combien de rangs il faut vous faire?
Ça, c'est aussi, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je vous dis, quand vous faites votre échantillon, vous pouvez grosso modo calculer votre jauge par rapport à vos mailles. Mais les rangs, c'est plus difficile parce que ça, de toute façon, la jauge, elle va être fausse. Mais vu que maintenant, votre ouvrage, il est déjà quand même assez long, vous prenez par exemple votre pull, vous prenez le centimètre et vous calculez combien de rangs vous avez dans les 10 cm. J'avais 16 rangs. C'est-à-dire que je sais que ma manche jusqu'à le poignet, elle doit en fait en tout, ma manche, en général, je le calcule depuis sous les aisselles, là, sous les aisselles jusqu'en bas, c'est 45 cm. Je fais toujours en fait le poignet, les manchettes à peu près 5 cm, c'est-à-dire que je sais qu'il me faut tricoter à 40 cm. Et 40 cm, vous multipliez par 1,6 parce que c'est-à-dire que si vous avez 16 rangs dans 10 cm, dans 1 centimètre, c'est 1,6. Et j'arrive à 60 rangs. Mais vu que je vous ai dit que moi, je dois faire quelques diminutions dès le début, je ne peux pas calculer tout de suite dans chaque combien de rangs il faut faire les diminutions. Alors, moi, tout d'abord, je tricote dans chaque rang, je fais des diminutions. Et après, avec ce qu'il reste, c'est-à-dire que là, vous voyez, dans le premier rang, quand j'ai monté les mailles, j'ai 49 mailles, ce qui est là. Après, dans le deuxième rang, j'ai fait deux diminutions, une diminution, j'ai eu 48. Après, dans le troisième, quatrième et cinquième, j'ai diminué de 2 mailles. Et c'est-à-dire que dans le cinquième rang, j'avais déjà 42 mailles. Ces 42 mailles, vous voyez, en fait, je prends 42, je fais moins 26 à ce que je dois arriver, et je vois qu'il me faut diminuer 16 mailles. Mais vu que je fais les diminutions dans chaque rang de diminution, je diminue 2 mailles. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un rang de diminution. On le voit que par rapport à ma maille centrale, je diminue au début du rang et à la fin du rang. C'est-à-dire qu'en fait, il me faut diminuer 16 mailles, mais vu que je diminue dans chaque rang de diminution 2 mailles, c'est-à-dire qu'en tout, j'ai 8 diminutions. Je dois tricoter 60 rangs, mais j'ai déjà fait ces 5 premiers rangs, c'est-à-dire qu'il me reste encore tricoter 55. Je divise par 8 et j'arrive à peu près, enfin, je sais qu'il me faut faire les diminutions à peu près dans chaque septième rang. Et je les faisais dans chaque septième rang. Et après, quand j'étais arrivée à 60 rangs, j'ai décidé quand même de faire encore 2 rangs de plus avant de passer en côte. C'est-à-dire que j'ai fait en tout 62 rangs. Et après, j'ai changé les aiguilles pour les aiguilles numéro 7. Ils sont juste ici. Et j'ai fait encore 10 rangs de côte. Et après, j'ai rabattu les mailles avec l'aiguille. C'est un rabattage à l'italien. Je vais vous le montrer aussi au cas où si vous ne le connaissez pas. Alors maintenant, je vous ai tout raconté et on va passer à notre manche. Tout d'abord, comme je vous ai dit, je n'ai pas des aiguilles courtes de neuf. Alors je suis obligée de tricoter avec la méthode Magic Loop. J'ai pris le câble de 80 et franchement, c'était pas si difficile que ça parce que ce câble, il n'est pas encore trop utilisé et il n'était pas encore trop dur, on va dire ça. Par contre, si vous avez la possibilité, je vous conseille toujours de prendre les aiguilles un tout petit peu plus grandes. Par exemple, si j'avais des aiguilles 9,5 ou 10, je les aurais pris parce que je vois ici la démarcation entre le réglant et la manche. Mais là, malheureusement, je ne vais pas acheter en plus les aiguilles numéro 10. Je ne les ai pas. Parce que je sais très bien que je ne vais pas les utiliser très souvent. Et en fait, c'est le gaspillage, quoi. Grosso modo, c'est ça. Alors, on va relever les mailles. Comment je fais? Là, ici, en fait, j'ai le fil. Ce n'est pas très facile de le faire devant la caméra, mais vous avez compris, il vous faut simplement en fait relever chaque maille, hop, comme ça,
Je vais couper déjà. Mon petit fil et je vais le sortir au fur et à mesure. Faites attention si vous avez utilisé aussi le fil que votre nœud il reste de ce côté-là pour que les mailles ne filent pas. Et on continue comme ça, relever jusqu'à on a toutes les mailles sur notre aiguille. Et là, je prends le fil, je laisse toujours un petit bout et je commence à relever les mailles. C'est-à-dire que là, j'en ai 7 sous les bras. Et je compte pour commencer avec la troisième. Parce que notre quatrième ici, elle va être après diminuée. Et ça va être notre maille centrale. Alors, je regarde. 1, 2, 3. Alors, je commence ici. Je vous conseille toujours de ne pas prendre, vous savez, ici vraiment le tout premier. Trop, vous savez, trop près de bord parce que après ça va pas être très joli. Je prends toujours en fait grosso modo là, vous voyez, dans la deuxième. Hop. Deux. Là, trois. Maintenant, comme je vous ai dit, je prends toujours une maille ici. Parce que vous voyez quand même, il y a beaucoup d'espace et sinon, si je le fais pas, ça va me faire le trou. Et après, il faudra chercher, vous savez, avec ce fil qu'on laisse ici, de cacher ce trou. Alors, je préfère toujours de diminuer ce trou et je prends quelque part comme ça au milieu et je monte une maille et j'essaye de la faire assez serrée pour qu'il n'y en a pas, justement, pour qu'il n'y a pas toujours ce trou. Maintenant, je tire un tout petit peu l'autre aiguille et je commence à tricoter les mailles que j'ai déjà eues sur les aiguilles. C'est pas très pratique au début, surtout que moi avec la caméra et tout, mais j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez réaliser votre pull basique. Alors, je fais les mailles de ma manche. Hop. Ça, c'est notre premier rang. Moi, je le compte comme le premier. Certes, si vous avez vraiment des aiguilles, vous savez, le câble 40, moi en général, pour ma taille, voilà, le câble 40, c'est nickel, mais là, dans ce cas, comme je vous dis, je ne vais pas acheter les aiguilles courtes de 10. Déjà, en fait, là, j'ai tricoté ce pull avec les aiguilles numéro 9. Et j'ai pas aimé du tout parce que ça fait beaucoup mal ici. Vous savez, quand vous tricotez longtemps, ça fait beaucoup mal à ces muscles-là. Et en plus, ces aiguilles, ils sont très, très glissantes. Je ne sais pas. D'un côté, c'est bien. Mais de l'autre côté, franchement, il faut toujours faire cet effort pour ne pas perdre les mailles. Alors là, mon magic loop. Je vais tricoter de l'autre côté mes mailles. Là, je tricote de l'autre côté. Là, j'arrive pareil à cet endroit, là où il me faut relever les mailles de l'autre côté. Alors, tout d'abord, je relève une maille ici pour ne pas avoir le trou, là, au milieu. Et comme vous rappelez, ici, on a relevé 3 mailles, alors il nous reste relever encore 4. Alors, voilà, ça, c'est la première. Hop. Une, là, deux,
Et voilà, 4. Vu que moi je tricote avec le méthode Magic Loop, je mets pas ici le marqueur parce que en fait je sais très bien que c'est là ici au milieu que grosso modo vous savez que je tire le câble. Mais si vous avez le câble de 40, je vous conseille quand même de mettre le marqueur. Maintenant, comment on tricote après? Là, ça c'est le premier rang. Comme je vous ai dit après, dans le deuxième, j'avais diminué tout de suite 2 mailles. Non, j'ai diminué une seule maille. Désolée. Et je vais les diminuer à la fin du rang pour avoir ma maille centrale. Qu'est-ce que je veux dire? Là, tout d'abord, je tricote toutes mes mailles de... Essayer de serrer un peu pour ne pas après justement avoir ces trous. Hop. C'est vraiment pas pratique là. Et en plus avec la caméra, c'est... Là, j'arrive à la fin du rang et c'est-à-dire que je tricote mes 2 dernières mailles ensemble. Je les retourne par contre pour faire diminution à gauche. Et ça va être notre maille centrale le long duquel, de laquelle on va faire nos diminutions. Alors ça, c'est deuxième rang. Et c'est-à-dire que dans le troisième, comme je vous ai dit, là, on va déjà diminuer 2 mailles. Comment on fait? Comment moi je fais? Il y en a certains qui font les diminutions, ils diminuent qu'une seule maille. Mais moi, pour les manches, c'est toujours deux par rang. Alors, je tricote 2 mailles ensemble au début du rang avec, enfin, je fais la diminution droite. C'est-à-dire que je tricote simplement 2 mailles ensemble. Je serre un peu, mais pas trop quand même. Et je tricote toutes les mailles après, maille en droit. Ou selon votre motif, peut-être vous faites les motifs. Là, j'arrive à la fin du rang, il me reste là 3 mailles. Et c'est comme je vous ai dit, on va faire la diminution le long de celle-là. Alors, on la touche pas, on prend les 2 mailles avant elle, on les retourne comme ça pour faire la diminution à gauche. Et je les tricote ensemble. Et encore cette maille. Ça, c'est notre deuxième, troisième rang. Maintenant, on a déjà, enfin moi en tout cas, j'ai 46 mailles. Il me faut encore faire le quatrième et cinquième rang, pareil. C'est-à-dire encore diminuer des mailles. Alors là, je commence le quatrième rang. Pareil, je fais une diminution à droite, c'est-à-dire que je tricote simplement 2 mailles ensemble. Et après, toutes les mailles de ce quatrième rang jusqu'à les 3 dernières. Voilà, j'ai tricoté quatrième rang jusqu'au bout. Il reste 3 mailles. Je prends les 2, je les retourne et je fais la diminution gauche et la dernière maille. Et cinquième rang, de même façon, encore on le tricote. Et je vais vous montrer le petit gousset que ça fait. Ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est si vous avez, si votre manche, elle est trop large. Moi, en fait, si vous voulez, quand j'avais fait la première manche, là, je vous montre encore une fois, diminution droite, on tricote simplement 2 mailles ensemble. Et après, les mailles en droit. Alors, quand j'ai fait la première manche, je l'avais tricotée. J'ai pensé, je pense que j'avais fait 20 rangs. J'ai vu, non, quand j'avais fait ces 5 rangs et j'ai mesuré, j'ai vu que ça correspondait à peu près à 36 cm. C'est juste, en fait, le tour de mon bras. En haut, vous savez où il y a le biceps. Mais ça me convenait très très bien parce que la laine elle est très épaisse et je savais que si je laisse toutes les mailles, toutes les 49 que j'ai eues au début, ça va me faire le pli.
et je savais que ça va pas être joli. Mais par exemple, si j'avais tricoté avec la laine un peu moins épaisse, même par exemple avec Charisma ou Lima, j'aurais quand même laissé 49 mailles parce que c'était pas dramatique. Quand vous avez la laine qui est pas si épaisse, ça va pas vous faire vraiment le pli énorme. Ça va même faire plus joli parce que là, ça fait quand j'avais tricoté après à peu près 20 ou 30 rangs, j'ai essayé le pull et j'ai vu que en fait j'ai pris une bonne décision parce que justement la manche elle est ajustée. Et franchement, je pense que c'est la première fois que je fais une manche quasi parfaite pour vous dire tout parce que moi, les réglants, c'est souvent surtout les manches qui sont très très larges. Là, j'arrive au bout de cinquième rang et encore une fois, je fais diminution gauche. Et maintenant, j'ai fait mes diminutions. Ici, peut-être vous n'allez pas très bien la voir. Voyez, ça donne ça. C'est pas très joli comme ça au premier abord, peut-être parce qu'on n'a pas encore tricoté beaucoup. Mais je vous montre sur l'autre manche. Là, vous voyez. Là, cet endroit, il est juste ici. Là, on a posé les diminutions droite et là, c'est gauche. Et en fait, vous le voyez quasi pas. Et ça, c'est vraiment une très très bonne astuce quand vous avez trop de mailles pour votre manche. Maintenant, comme je vous ai dit, moi je fais 5 rangs et maintenant je dois faire les diminutions dans chaque septième. C'est-à-dire que là, je vais tricoter 6 rangs sans diminution. Simplement, je vais faire que des mailles en droit. Et dans le septième rang, c'est-à-dire que pour moi, ça va être au douzième. Je vais faire les mêmes diminutions, c'est-à-dire que je vais tricoter les deux premières mailles diminution droite et quand je vais arriver à la fin de mon rang, je vais tricoter les deux avant-dernières mailles ensemble diminution gauche. Par exemple, si vous ne faites pas ces diminutions ici, vous devez simplement tricoter. Vous prenez par exemple le nombre de rangs qu'il vous faut faire et diviser par le nombre de diminutions. Mais moi, vu que j'ai tricoté ces 5 premiers, je les ai enlevés des nombres de rangs. Alors là, je vais tricoter jusqu'à 11e rang et je vais vous montrer encore une fois comment on fait les diminutions. Et après, chacun va tricoter sa manche jusqu'à la fin et je vais vous montrer après simplement comment, enfin je change simplement les aiguilles, vous savez, pour tricoter les côtes il n'y a rien de spécial. Et après je vais faire une autre vidéo encore pour rabattage à l'italienne parce que moi je le fais, vous savez, je fais pas ces deux rangs comme on faisait tout au début, vous savez, sur l'encolure. Je ne les fais pas ces côtes, comment dire, le truc tubulaire. Je les rabats comme ça avec l'aiguille directement sans faire ces deux rangs tubulaires. Alors voilà, tricoter tranquillement, je vais vous montrer encore une fois comment je fais la diminution dans le deuxième rang. Là, hors caméra, j'ai tricoté mes 6 rangs sans diminution, c'est-à-dire que en tout, dans mon cas, c'est 11 rangs, et là, dans le deuxième, je vais faire la diminution. Encore une fois, c'est pareil. Au début du rang, on tricote deux mailles ensemble, diminution droite. Après, je fais toutes les mailles en droit jusqu'à trois dernières mailles de mon deuxième rang. Là, je suis arrivée à trois dernières mailles. Là, ces deux mailles, je les retourne. Je tricote ensemble. Et ça, c'est diminution à gauche. Et la dernière maille. Ça, c'est mon douzième rang. Maintenant, à nouveau,
Je dois tricoter 6 rangs sans diminution. Et dans mon cas, après, je fais la prochaine diminution dans le 19e rang. Après, ça va être dans le 26e. Après 33, après 40, 47, 54. Et la toute dernière diminution, je le faisais dans le 60e. Et après 60e, je tricotais encore 2 rangs avant de passer aux aiguilles numéro 7 pour tricoter le poignet. Alors, je vais faire mes 62 rangs hors caméra. Je vous invite aussi de faire tout seul. À tricoter toute la longueur de votre manche et on va se retrouver pour tricoter. Je vais vous montrer et expliquer un peu par rapport au numéro d'aiguille pour le poignet. Voilà, tricoter tout seul et on se retrouve à la fin de notre manche. Alors là, j'ai terminé la manche et j'ai déjà vissé mes aiguilles numéro 7. J'ai 26 mailles pour faire mon poignet. Et moi, je vais faire une maille en droit, une maille envers, c'est-à-dire côte 1 sur 1, comme je les appelle. En gros, c'est pareil. En fait, vous pouvez faire les mailles, enfin, une maille en droit, une maille envers, ou des côtes réguliers, par exemple, 3 mailles en droit, une maille envers, ou 2 mailles envers. De maille en droit, enfin bref, vous savez que les côtes elles peuvent être différentes. Moi par exemple ici, en ce qui concerne les aiguilles, j'ai pris deux numéros en dessous parce que la laine elle est grosse. Mais en général, par exemple, ça dépend aussi de votre laine. Là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que par exemple la laine comme Drops Soft Tweed, elle tient pas du tout en fait les côtes. C'est-à-dire que si vous le tricotez comme d'habitude, parce qu'en général, quand vous avez une laine DK, oui, c'est ce qu'on appelle ça en France, c'est-à-dire que comme Lima, Charisma, la laine avec l'épaisseur moyenne, 100 mètres dans les 50 grammes, en général, moi, par exemple, je prends les aiguilles à un numéro plus petit que mon tricot, c'est-à-dire que si je le tricote avec vous savez, par exemple Lima et Charisma, c'est pareil. En fait, j'ai découvert déjà il y a une très grosse différence d'épaisseur de fil entre les couleurs et aussi ça dépend de bain. Mais en général, par exemple, le grosseur de laine, elle est pareille sur l'étiquette, mais c'est que sur l'étiquette. Et par exemple, l'image, je le tricote toujours avec les aiguilles numéro 4. Et le charisme, en général, je le tricote avec 4,5. C'est bizarre, mais c'est comme ça parce que voilà, le tricot, il me plaît plus. En fait, la jauge me plaît plus quand je tricote comme ça. Mais par exemple, ce que je veux dire par là, quand c'est la laine d'épaisseur moyenne, en général, pour les côtes, on prend les aiguilles un numéro plus petit ou même la moitié. C'est-à-dire que si vous tricotez avec 4, vous prenez 3,5. Si vous prenez 3, ça peut déjà un peu serrer trop. Après, ça dépend quel rendu vous voulez avoir. Mais moi, en général, voilà. Si je tricote avec 4, je prends 3,5, 3. Si je tricote, bien sûr, avec 4,5, je vais prendre 4,5, 3,5. Mais vu que là, Drop Swish, c'est quand même la laine qui est très grosse, même, vous savez, la différence là entre 9 et 7, elle n'est pas choquante, on va dire comme ça. C'est pour ça, moi, je prends les aiguilles numéro 7. Et je tricote maintenant, je vais tricoter simplement 10 rangs avec 10 rangs de mon poignet. Et après, je vais vous montrer comment moi, je fais le rabattage de mailles avec, à l'aide d'une aiguille. Et comme je vous ai dit, je vais faire sans tricoter deux rangs de, ça s'appelle, je ne sais pas, des côtes tubulaires. Parce que moi, je trouve que le rendu, il est presque pareil. Même si ce n'est pas pareil
complètement et c'est moins de tralala à faire. Et je sais pas, pour moi c'est plus facile. Et en plus, moi, quand je l'ai fait, vous savez, je fais pas enlever les mailles parce qu'il y en a certains en fait, quand ils travaillent avec l'aiguille. Il passe l'aiguille et après il y a des mailles qu'il enlève comme ça et après il cherche où il faut mettre encore l'aiguille et je trouve que c'est vraiment beaucoup de travail inutile qu'il y en a pour moi je vous répète encore et encore pour moi le tricot c'est le plaisir et si je peux passer au plus simple je veux faire au plus simple je vais pas chercher à me compliquer la vie là vous voyez j'ai fait un rang et moi les mailles ils se présentent comme ça. Après, si vous voyez la maille en droit, elle se présente avec la patte devant et la maille en vert, elle se présente comme ça avec la patte de derrière. Enfin, ça, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo où je vais montrer comment rabattre les mailles. Encore une fois, vous voyez, je n'ai pas eu assez d'une pelote de laine pour la manche. J'étais obligée de rajouter un peu. Et Drops Wish, vous savez, avec Drops Air, on ne voit pas. Le truc comme ça et avec Drop Swish on le voit et ça me plaît pas du tout dans le pull j'essaye de le faire en fait dans les endroits comme sous les manches enfin sur les côtés comme ça sera moins visible mais là sur les manches ça me plaît pas du tout je sais pas comment on peut régler ça mais bref ça me plaît pas du tout voilà je vous laisse tricoter votre manche et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le rabattage des mailles.